Allô tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui, nous allons bien sûr attaquer. Mais dans la dernière vidéo, j'avais parlé que des niveaux. Tous les différents niveaux qu'il y avait. Oui, ça, en gros. Je ne l'avais pas trouvé dans la dernière vidéo. J'étais sur mon autre compte, qui est beaucoup plus avancé. Et j'ai tout simplement vérifié si c'était où, puis c'était tout simplement fait peser ici. Et voilà. Je sais pas si je l'avais fait la dernière fois, mais c'était juste ça. Ouais, juste ça. En gros, ça commence ici. Le camp d'entraînement. Puis on a tout ce qu'on peut avoir. Ça, c'est pratique. En passant, je peux vous dire, c'est écrit ici, hein? Rare, étant rareté épique. C'est écrit ici, c'est commun. Rare, épique. C'était marqué. Je me suis aperçu ça après la vidéo. C'est ça. Pour ce niveau-là, je peux toujours avoir tout ça. C'est pas c'est Goblinarium, pas mal des gobelins avec une Valkyrie bien évidemment que j'ai goût d'avoir parce que pratique. Ensuite il y a Fossozo, c'est tout ce qui est squelettique, pas mal à part du serviteur, mais sinon c'est pas mal tout squelettique. Ensuite Arène des barbares, je me suis rendu là dans mon autre. Mais je suis retombé là parce que j'ai de la misère. Attaquer. Ouais. La misère attaquer. On va voir si je vais bien réussir aujourd'hui ou non. On va faire quelques attaques. Ensuite, ici. Il y a Parc P.K. Island. Avec le Tour de l'Enfer. Que j'ai goût d'avoir. Vallée des Sorts. Des monstres, des affaires bizarres. Ici, le sorcier de givre. Bien sûr, le sorcier bien normal. Atelier d'ouvrier, c'est qu'est-ce que. Des constructions, tout ça. Ici, l'extracteur d'élixir, ouais, c'est ça. J'ai eu un doute. J'ai hésité. Hésité, puis il y en a d'autres. D'autres qu'on connaît, d'autres, je sais pas trop quoi. C'est une place qui donne pas les noms. C'est une place. Arène Royale. Bon. Ici, sommet glacé. C'est une affaire. Surtout qu'est-ce qui est glace. Autre que le bouliste et. Une sorte de sorcière, je suis pas sûr. Arène sauvage, c'est son sauvage pour ça. Ensuite, il y a monde des cochons, c'est ça. Il y a juste une affaire qu'on peut avoir. Et pour finir, arène légendaire. Parce que mon second village, ma seconde chaîne, c'est légendaire MMCL. Et oui, il faut que je me rende là avec mon autre. Mais celle-là. Je me rendrai pas là parce que j'aime pas trop Clash Royale. Mais si j'aimerais aimer ça, je m'aurais pas arrêté là. Mais loin de là. Vous allez comprendre pourquoi. Avec mon autre compte, il faudrait que je me rende là. Ça, c'est ça. Mais celle-là, non. Parce que c'est pas fini! Et non. Des niveaux combattants 1. Sûrement avec la même map. Probablement. Combattant 2, combattant 3. Ils ont juste inversé. Là, c'est 3, 2, 1, c'est 1, 2, 3. Il aurait pu faire comme d'habitude avec Clash of Clans, 1, 2, 3. 3, 2, 1 plutôt. Non, 1, 2, 3. Mettre 1, 2, 3. Champion. Grand champion. Et champion suprême. Ouais. Ça serait mon objectif, ça. Champion suprême.
Pour légendaire MCL, ça serait le contraire. Mon objectif serait bien sûr légendaire. Mais celle-là, ça serait champion vu que ça serait comme le contraire. Clash of Clans, la ligue, la plus haute ligue, était champion. Celle-là, la plus haute ligue. Avant, c'est champion, maintenant, c'est légendaire. Mais celle-là, c'est pas le plus haut. Je sais pas si ça a déjà été légendaire, la plus haute ligue. Dans un certain sens, oui. Mais la plus haute ligue, c'est champion. Comme l'inverse de Clash of Clans. On va ramasser les bonus. Point important. Voilà. On parle de 3 heures. On améliore ceci. Au niveau 4. Avec là. Je prends ceci. Pour deux. Qu'est-ce que je veux changer? Savez-vous quoi? Je veux changer ça. Et ça aussi, je veux changer. T'es contre. Je vais prendre vraiment. Là, ma stratégie est que. Je peux toujours le changer. J'explique ma stratégie. Ma stratégie est que. Je vais avoir le plus de troupes possible pour. Oh, pour avec l'élixir. Je veux que ça coûte le moins cher possible pour avoir le plus de troupes possible. En gros, c'est ça ma stratégie. Et attaquons. Voilà. Bon, on a quoi? On commence avec ça. On va se faire une sécurité. Je me suis fait ça, mais je veux même pas faire ça. Je sais pas pourquoi je le fais, mais j'ai même pas besoin de faire ça. On va le prendre par surprise. Mais fuck. Ça commence bien, hein. Je me fais détruire lamentablement dès le début. Pratiquement détruire complètement mais que faire non je déteste cela oh. Non je déteste cela lui. J'ai perdu, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah, il m'énerve. Il est plus simple, il m'énerve. Ah. Une défaite, une première défaite. Qu'est-ce que vous voulez, ça arrive? On va aller avec les troupes. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on perde? La seule fois qu'on va perdre, c'est des trophées. Combien? Quelques-uns? On n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'il va faire? Fait rien. Ok. Tenant. Surprenant.
serait quasiment un combat par forfait, ça gâche. Bon, je me plains pas, honnêtement. Je ne me plains pas. Oui, une stratégie derrière la tête. Fini. C'est quasiment un forfait. Elle a été facile celle-là, je trouve. Ah, coffre à couronne, mon premier. Il va sûrement me donner des pics. De l'argent, des gemmes. Pas important. Ah, un nouveau. C'est bien ça. Un géant. Même pas. Un nouveau, oui, mais pas d'épique. Dommage. Je peux améliorer ça. Toi, tu. Merci. Voilà. Voilà, mes troupes sont améliorées. Ça. Yes! Niveau 3. On va l'utiliser, ça coûte cher. Mais. C'est pratique. Est-ce qu'il. Je m'en souviens plus si. Il était à distance ou non. Information. Ça dit rien. Ok, il lance. Je vais changer contre lui. Parfait. De toute façon, c'est mieux à distance. De toute façon. Attaquons encore. Notre combat. Je vous dis, il va y avoir des combats dans cette série. Que des combats. Vous en voulez des combats? Il va y en avoir. Ça donne bien. Ah non, pas le double dragon. Bon, le Piccolo. Ah, il va me détruire ma tour. Fuck. Ça commence bien. Ouais, ça va mal. Voilà, bon, il va de ce côté-là. C'est sûr que je vais l'emmener ici par contre. Ça va mal. On sait tout de suite que c'est une défaite. Donc, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas pu faire grand-chose. La misère. Ouais. C'est vraiment de la misère à ce jeu. Bon, qu'est-ce que je fais?
Bien beau ça, mais ça coûte. C'est mieux ça. Votre notre dernière attaque pour aujourd'hui. On va peut-être en faire 4, tout dépendant. Combien ça me tente de subir. Combien de défaites ça me tente de subir. Et on va attaquer demain. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire. La stratégie, c'est ça. J'avais trouvé la stratégie, mais j'ai perdu, on dirait. Oh fuck. Yes. Ça m'a envoyé ça un deuxième kinétique. Ralentir ça. Ah non, c'est vrai, il lance. Loin. J'essaie au moins de survivre. Désolé que je parle pas. Bon, au moins, il va rester 1 minute. Tout va se jouer maintenant. Voilà. Voilà. Bon, c'est terminé, là. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Défi. Résister jusqu'à la fin. Au moins, je résiste jusqu'à la fin. Et c'est terminé. Une troisième défaite. Presque d'affilée. J'aurais eu, honnêtement, j'aurais eu 4 défaites d'affilée. Si l'autre, ça aurait pas été forfait. Lamentable. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de jouer. Je perdais tout le temps. Au début, j'étais correct, à vrai dire, je commençais à perdre tout le temps. Tout le temps! Même encore là, j'ai un peu rejoué, puis. C'est un peu pour ça que j'ai arrêté de jouer. C'est plate pour le marre à toujours perdre. On essaie d'autres stratégies, notre stratégie fonctionne pas, on recherche. Il y a un peu. Je n'avais pas vraiment à la base. Ça me fait en sorte de moins l'aimer encore. C'est un peu pour ça que je fais pas de Clash Royale encore. C'est dur pour le moral. Il va y avoir une nouvelle vidéo. Une autre vidéo, ça c'est sûr. Le mois prochain. Ouais. Dur pour le moral. Effectivement. Malgré ça, j'espère que vous avez quand même bien aimé cette vidéo. Au moins. Avec ma défaite lamentable. Mes défaites lamentables. Donc, eux autres, moi, je monte en niveau, mais. Peut-être, mais. Il y en a qui ont des troupes plus que moi.
L'autre, il avait du meilleur truc que moi. Alors, on va se laisser là. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter. Car tout le monde est le bienvenu. Et vous pouvez aussi. Faudrait que je change un peu. Vous pouvez toujours aussi me suivre sur mon site internet temporaire. Parce que. Après l'été. J'irais avoir un autre site plus officiel. Avec un. Donc championmmcl.com. Que ça va être. Il va être plus officiel, je vous le dis. Mais en attendant, parce que il faut. Ça va être un cours de. Comme on dit, c'est télécom. Ouais, télécom. Puis ça va être pour faire un site internet. Puis je vais le bâtir. Je vais peut-être même vous le montrer en vidéo, tout dépendant. Si ça me tente ou non, ça c'est selon ça me tente ou non, je verrai ça. Je vous dis tout de suite. Vous pouvez toujours me suivre maintenant sur. Pour l'instant, je le mets pas trop. Le lien parce que. Faudrait que je l'enlève maintenant. Oui, vous allez pouvoir y accéder quand même. Il n'y aura plus de mise à jour. Ah, un coffre! Attends, on va s'acheter bien au moins la journée. Bon. Y a-t-il d'autres améliorations? Non. Bon, on a eu d'autres coffres. Un autre coffre au moins. Je pense aux 4 heures. Ça fait 4 heures, ça veut dire. Un coffre par 4 heures. On dirait. Pour aller sur le site internet, vous allez sur la page YouTube de ma chaîne Champion MMCL. Pour y accéder, vous faites, exemple, si vous l'écrivez, c'est youtube.com/c/ Champion MMCL. Et oui, j'ai mon affaire personnalisée. Mon adresse personnalisée de YouTube. Oui, ça c'est fun. Je sais pas ça fait combien de temps qu'il y a ça, mais dès que j'ai vu ça. Ah! C'était nouveau! Puis je l'ai tout de suite appliqué. Puis j'étais apte à le faire. Parce que ça prend un temps d'abonnés. Puis j'avais 6 abonnés. Là, je pense que c'est 200 abonnés pour personnaliser notre adresse. Pour comme quoi que ce soit, c'est juste une adresse YouTube. Au lieu que ça soit un paquet de chef lettres, n'importe comment. C'est pas ça, c'est. On peut l'enlever, puis. Pas là, ça sent. Il est pas enlevé, mais. T'as le choix ça, du paquet, de chiffres, de lettres, ou. Champion MMTL. Dans mon cas. Vous allez là, et sur la bannière, il y a quelques liens. Il y a un lien qui va sur ma seconde chaîne YouTube, dont je suis déçu, honnêtement, de la dernière vidéo, le nombre de vues. La dernière fois que j'ai regardé, y avait juste 4 vues. C'est pas beaucoup. Je pense que c'est la vidéo qui a le moins de vues sur mes deux chaînes. 4 vues. Ça, je suis déçu. À côté, t'as le lien pour mon site internet. T'as le lien pour Google+, pour Twitter et pour Facebook. Tout Facebook, Google+, Twitter, site. Ouais, c'est ça. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Puis je pense que je vais en faire 6. Après ça, on va voir selon le nombre de vues. Et l'objectif pour avoir une nouvelle vidéo, c'est de 50 vues. En bas de 50 vues. Bon, si c'est proche, je vais peut-être faire un jugement de maîtrise, comme on dit. Je vais juger si j'en fais un autre ou non. Sinon, j'en ferai pas d'autres. Tant qu'aussi longtemps qu'il n'y aura pas 50 vues. Parce qu'à un moment donné, la moyenne était à 50 vues. Mais ça a baissé, je ne sais trop quoi. Pourquoi. Ça a remonté un peu dans les trentaines. Ça a baissé. Tellement que même les abonnés, un abonné m'a dit que les mes vidéos sont bas là, ça veut dire que
Ce qui arrive, qui est arrivé un peu cette année, c'est un peu dû à ça. C'est un peu dû au nombre de vues. Je suis découragé un peu. Là, il faudra que j'arrête de penser à ça, au nombre de vues, pour certains, bien sûr. Donc, je vous invite aussi, je du blabla. C'est toujours comme ça. Je pense de finir la vidéo, mais en fin de compte, elle reprolonge 10 minutes de plus. C'est bien moi. Juste pour vous dire, allez voir Age of Empires 3. Okay, c'est peut-être le début de tout ça. Mais quand même, je suis déçu un peu. Du nombre de vues, toujours le nombre de vues. 14 vues. En plus, une nouvelle série, puis un bon. C'est sûr que ça va être mieux la prochaine vidéo. Mais quand même. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.